Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et nous sommes heureux d'être parmi vous ce soir. Vraiment. Alors, qui sommes-nous Rita et Jean-Claude Goudet. Nous venons de Tours, ou plus exactement d'un petit village près de Tours qui s'appelle Fondette. Je suis marié avec Rita depuis 47 ans. Nous avons eu six enfants. Nous avons maintenant 32 petits-enfants, 32, oui, et euh, nous sommes arrière-grands-parents quatre fois et bientôt cinq fois. Voilà, donc le Seigneur nous a fait la grâce de nous donner une grande famille. À Tours, j'étais enseignant, professeur de lettres classiques, français, latin, grec. Et histoire géo. Voilà. Et nous voyageons beaucoup à travers la France, mais aussi dans les pays étrangers, jusqu'en Afrique, et bien pour raconter ce que le Seigneur a fait dans nos vies et pour lui rendre vraiment toute la gloire. Et nous allons ce soir vous, vous en raconter un tout petit peu. Notre témoignage ce soir sera donné en deux parties. Dans la première partie, c'est surtout moi qui vais parler, et dans la seconde, ce sera surtout Rita. Voilà. Alors, commençons par le début, comme je dirais. Rita, tu peux peut-être aller t'asseoir. Voilà. Vous savez, un jour que j'étais dans mon bureau, accablé par les soucis, ne sachant plus, comme on dit, à quel saint se vouer. J'avais le visage enfoui dans mes mains, et quand j'ai levé les yeux, j'ai aperçu un livre semblable à celui-ci qui traînait depuis fort longtemps sur les rayons de ma bibliothèque. Et j'ai été poussé à le prendre, et j'ai lu. Je l'ai ouvert au hasard. Et j'ai lu en Matthieu 11, 28 ce célèbre verset, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Comme j'aurais aimé connaître ce verset quelques dizaines d'années plus tôt, cela m'aurait sans doute évité de galérer seul ou de croire que j'étais seul lorsque je galérais. Et vous allez comprendre dans un instant pour quelle raison. Alors, en ce qui me concerne, je suis originaire de la ville du Mans. Et nous habitions dans la banlieue sud du Mans, mais dans une toute petite maisonnette en bois, assez délabrée, qui ne comportait que deux pièces. Et bien entendu, il n'y avait aucun confort. Les toilettes étaient au fond du jardin. Il n'y avait pas l'eau courante. Et dans un premier temps, il n'y avait pas encore l'électricité. Et après tout, on aurait pu être heureux. Mais voilà, chez nous, il y avait un grand malheur. Maman buvait. Vous savez, quand dans un foyer, le papa boit, c'est déjà terrible, n'est-ce pas Mais quand c'est la maman, c'est bien pire encore, parce que tout va à vos lots. Et quand elle était dans cet état, et c'était presque quotidien, elle était à la fois violente et obscène. Et toute ma petite enfance, mes souvenirs, ce sont des cris, des disputes. De la vaisselle cassée et des vitres brisées. Le soir, on s'enfermait dans la deuxième pièce, mon père, aveugle. Donc je, je, nous dormions, mon père, mes deux frères et moi, dans un grand lit de fer. Et le soir, papa installait une grosse corde qui allait du pied du lit jusqu'à la poignée de sa porte. Et toute la nuit, elle frappait, elle hurlait, elle tentait d'entrer. Et nous qui étions enfants n'avions qu'une peur, c'est que cette porte s'ouvre. Et ce qui est entré en moi à cette époque, c'est la honte. Parce que tous mes camarades d'école étaient au courant de ce qui se passait chez nous. Et quand ils passaient devant notre maison, toutes les vitres étaient, étaient brisées. Et si on les remettait en place, deux jours après, il fallait recommencer. Et pourtant, Malgré cela, j'étais un enfant pieux. Et cela, je le devais à mon père. Parce que c'était un homme de foi. Je le voyais chaque soir qui se mettait à genoux au pied du lit et qui priait. Et quand nous serons plus grands, il nous associera à sa prière. Oui, j'étais petit, et pourtant j'aimais déjà le Seigneur. Et j'avais dans le cœur de le servir. Et pour moi, dans le milieu où j'étais, servir Dieu, ça voulait dire être prêtre. Et j'ai grandi avec ce désir et cette idée qu'un jour je serai prêtre. Et c'est vrai aussi que j'ai eu la chance d'avoir un instituteur qui nous parlait de Dieu avec un tel enthousiasme qu'il m'a, je crois, communiqué cet enthousiasme et lorsque j'ai eu environ dix ans et demi, onze ans, il s'est agi d'entrer dans un petit séminaire. il y avait à cette époque des petits séminaires qui, qui accueillaient les jeunes garçons à partir de la sixième. et tout naturellement on m'a présenté au petit séminaire du mans. mais là j'ai été refusé. car je suis fils de divorcé. Dans sa longue et douloureuse vie, mon père s'est marié trois fois. La première fois, il a divorcé de sa femme infidèle. La deuxième fois, il est tombé veuf. Et la troisième fois, il s'est remarié avec ma mère. Et donc, vis-à-vis -vis de l'Église, j'étais considéré comme un enfant illégitime, fils de divorcé. Et à l'époque, avant le concile, c'était un cas d'empêchement majeur pour accéder à la prêtrise. Mais des prêtres s'occupaient de moi. Et un jour, on m'a dit, Jean-Claude, tu vas pouvoir rentrer dans un petit séminaire, mais à Tours. Et en 1955, j'ai quitté Le Mans, ma famille et mes amis, et je suis entré donc dans un petit séminaire. Et je pensais que désormais, la voie était toute droite tracée. Et il est vrai que dans cette maison, j'ai reçu une bonne formation intellectuelle, humaine et spirituelle. Et je croyais que mon problème était réglé. Mais quand je suis arrivé en classe de, de première, le directeur m'a un jour convoqué dans son bureau pour me dire Jean-Claude, tu es grand maintenant, il est temps que nous nous occupions de ton problème. Je pensais que c'était fait. Il a monté tout un dossier, en fait une demande de dispense, qui a été envoyée à Rome. Et ces documents sont revenus quelques semaines plus tard, barrés d'une mention refusée. Je ne m'y attendais absolument pas. J'étais un excellent élève, j'étais passionné par les études et j'avais cela à cœur. Et pour moi, ça a été une épreuve absolument terrible. Euh, je me suis replié sur moi-même. Et je suis devenu d'une timidité maladive. Et le directeur m'a dit, Jean-Claude, il faut que tu nous quittes. Et c'est la mort dans l'âme que j'ai quitté cette maison à laquelle je dois beaucoup. Et on m'a trouvé une place de surveillant dans le collège où je vais rester ensuite jusqu'à la fin de ma carrière. Donc pour être surveillant d'abord pour terminer mes études et euh, professeur après. Mais quand j'ai quitté le petit séminaire, j'avais là une terrible blessure. Je ressassais cela et, et, je, et je ne comprenais pas. Alors, pour tromper un peu cette souffrance, je me suis mis à écrire, c'est-à-dire à rechercher correspondants et correspondantes dans le monde entier pour échanger idées, timbres et cartes postales. Et très vite, j'ai eu une douzaine d'amis ainsi répartis sur les cinq continents. Et je passais beaucoup de temps à écrire des lettres et à en recevoir. Un jour, j'ai voulu avoir d'autres correspondants. J'ai refait passer une petite annonce dans un petit journal. Et là, j'ai reçu une dizaine, une dizaine de réponses. Mais parmi les réponses... Il y avait une lettre qui ne ressemblait pas du tout aux autres. C'était une longue lettre d'une jeune fille de l'île de la Réunion. Elle me racontait son enfance et son adolescence qui avaient été bien plus douloureuses que la mienne encore et qui me racontait cela avec tellement de vérité, tellement de simplicité que j'ai été profondément interpellé, profondément touché j'ai lu et relu sa lettre elle me disait des choses difficiles à dire surtout dans une première lettre à un garçon que à 16 ans elle avait été fille mère qu'elle était allée en prison etc et beaucoup d'autres choses j'ai lu et relu sa lettre et je me suis dit je vais aider cette fille et pour l'aider je l'ai épousée c'est ainsi que j'ai connu Rita par correspondance maintenant ce serait par internet sans doute mais à l'époque c'était encore artisanal je dirais voilà nous avons correspondu en une petite année et bien entendu la compassion que j'avais reçue que j'avais ressentie au début tout doucement s'est changée en un autre sentiment je rêvais de cette fille mais je ne la connaissais que par photo. Et rien ne laissait prévoir qu'elle puisse venir en France avant longtemps. Et pourtant, Dieu aidant, comme on dit, Rita est arrivée en France le 1er mai 68. 1er mai 68, les anciens se souviennent que la France était paralysée par la, par la révolte des étudiants. Je n'ai pas pu aller l'attendre à sa descente d'avion. Et ce n'est que le 16 juin... 68, que j'ai rencontré Rita pour la première fois et que j'ai su que c'était bien elle que le Seigneur m'avait mis à part pour moi. C'était le 16 juin. Le 30 août, je l'ai épousée. Donc ça va faire 47 ans euh, dans quelques jours. Les choses sont, sont allées vite et vont, et vont continuer d'aller vite, puisque. Cinq ans plus tard, nous avions six enfants et sans jumeaux. Et nous étions extrêmement heureux. C'est vrai que Rita était elle-même issue d'une grande famille, d'une famille de 13. Elle est la neuvième d'une famille de 13. Et de, de mon côté, avec les mariages de mon père et les deux mariages de euh, ma mère, j'avais un, une ribambelle de demi-sœur et de demi-frères. Et donc, c'était vraiment... Nous, nous voulions une grande famille. Et elle est arrivée très vite, ça c'est vrai. Mais ce que nous ne savions pas, c'est que le malheur était devant nous. Au cours de la sixième grossesse, Rita a commencé à présenter des symptômes que l'on ne comprenait pas. Les médecins non plus. Quand elle mangeait, elle laissait tomber sa fourchette ou sa cuillère. Quand elle avalait, souvent, elle faisait des fausses routes, c'est-à-dire que ça passait dans, dans la trachée et elle étouffait. Ou, ou bien quand elle parlait, elle parlait du nez. Elle nasonnait, ou bien encore, quand elle marchait, parfois une jambe manquait et elle tombait. Une multitude de petites choses. Et le médecin était perplexe et il nous disait Mais ne, rassurez vous, vous avez eu six, il y a eu six grossesses consécutives, Rita est fatiguée, oui, c'est normal, et tout va rentrer dans l'ordre lorsque l'enfant sera né. Notre dernière fille donc Isabelle est née par césarienne et c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que en quelques semaines Rita est devenue une poupée de chiffon et on ne savait pas ce qu'elle avait. À Tours où elle a été d'abord hospitalisée, on m'a dit monsieur Goudet rassurez-vous votre femme n'a rien, c'est purement psychique. Il faut qu'elle voie un psychiatre. Mais en fait, ce n'était pas ça du tout. Du tout, du tout. Non. Donc, pour faire vite, Rita était atteinte d'une maladie de muscles incurable qui s'appelle la myasthénie. Dans cette maladie, c'est la transmission nerf-muscle qui ne peut plus se faire. L'influx nerveux part du cerveau. Arrive au nerf, au niveau de ce qu'on appelle la plaque motrice et des synapses, là. Mais pour que l'échange nerf-muscle puisse avoir lieu, il est besoin d'une substance qui s'appelle l'acétylcholine. Et dans cette maladie, il y a un anticorps, la cholinestérase, qui détruit l'acétylcholine. On sait parfaitement ce qui se passe, mais on ne connaît pas la cause, et donc on ne peut pas agir sur la cause on va mettre six mois à mettre à tour un nom sur la maladie. donc c'était une myasthénie comme je vous l'ai dit mais une forme généralisée et aiguë de la maladie. dans le détail qu'est-ce que cela voulait dire? d'abord c'est une maladie. c'était une maladie extrêmement instable irrégulière. parfois le, le matin je partais au collège rita était dans le lit vraiment anéantie et quand je revenais elle était en train de faire le ménage et puis l'inverse l'inverse donc c'était vraiment en dents de scie et imprévisible mais quand quand elle avait vraiment ces poussées de myasthénie qu'est-ce que ça voulait dire dans le concret rita ne pouvait plus tenir la tête droite, la tête retombait, parce que ce sont des muscles, bien sûr. Elle ne pouvait plus garder les yeux ouverts, ou en tout cas, entre-ouverts, parce que les paupières tombaient. Et puis, elle voyait double, ça s'appelle la diplopie, parce que les deux images ne se superposent plus. Et elle voyait flou, parce qu'elle n'accommodait plus. Alors, je vous l'ai dit, la parole. Quand elle parlait et qu'elle était fatiguée, très vite elle bafouillait, elle nasonnait et on ne comprenait plus. Très vite aussi, eh bien, la déglutition, la mastication, elle ne pouvait plus serrer, elle ne pouvait plus mastiquer, elle ne pouvait plus avaler, et même souvent, elle ne pouvait même pas avaler sa salive. Parfois même, elle ne pouvait pas fermer la bouche. Et puis tout, tout le reste, nous sommes en muscles du haut en bas. Les toilettes, ce sont des muscles. Comme je dis souvent, parfois elle avait la main là, elle ne pouvait pas la mettre là. Un, un anéantissement physique incroyable. Parfois je prends cette comparaison. Vous avez un aspirateur qui marche, vous débranchez l'aspirateur, et puis bien entendu la respiration. à l'époque, les myasthéniques mouraient tous par étouffement. parce que quand ça la prenait dans la respiration, il fallait, euh, en fait, on, on avait prévenu une ambulance pour que si on les appelait, ils viennent en trombe, bah, vraiment à, à toute allure. Et donc ils arrivaient dans la maison, ils allaient directement dans la chambre et ils intubaient Rita et ils l'emmenaient. Donc maintenant là, elle n'était plus hospitalisée à Tours, mais à Garches, près de Paris. Mais l'ambulance aurait pu arriver trop tard. Ou bien encore, le malade fait le mouvement de déglutition. On le fait presque malgré soi. Et ce qu'on avale passe dans la trachée et le malade étouffe. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, frères et sœurs, il m'est arrivé de me précipiter sur l'aspirateur, de mettre le bout pointu et de l'enfoncer dans la gorge de Rita pour essayer de rattraper ce qu'elle avait malencontreusement avalé. Et si je, si je n'avais pas pu, eh bien elle me serait morte dans les bras. Alors, pendant tout ce temps d'abord, juste après l'accouchement, eh bien, je vais me retrouver avec six enfants de zéro à cinq ans sur les bras. Six. Heureusement, j'étais enseignant. C'est un métier qui, malgré tout, nous laisse plus de temps que d'autres, c'est vrai, mais quand même. Parce que j'ai fait face à cette situation et j'ai été fort peu aidé. Le matin, je me levais tôt, je réveillais les bébés, je les changeais, je les lavais, je, je les habillais, je les faisais manger, etc. Je menais l'un chez une voisine, l'autre chez une collègue, l'autre chez un ami, une amie, et le soir, je faisais le mouvement inverse. Et je faisais à peu près tout ce que dans une maison, une maman doit faire. Toutes les tâches ménagères, mais surtout. Les biberons changer les enfants, faire la lessive. Vous savez, à cette époque, il n'y avait pas de couchement perse. Hein C'était encore des, des carrés de coton que l'on décrotait que l'on faisait bouillir et on langeait les enfants. On ne les lange plus maintenant. Je pourrais vous faire un cours, mais bon, j'ai des choses quand même plus, plus importantes à vous dire. Non mais on en rigole maintenant, bien sûr, mais je me suis trouvé devant des situations insolubles. Insoluble. Et ça, ça va durer 17 ans. 17 ans, on dit ça en une seconde. Mais c'est 17 ans de souffrance, c'est 17 ans d'angoisse. Rita a failli mourir une quantité incroyable de fois. Vous savez, après cet échec, de mon désir d'être prêtre, là, ben, j'ai pris un certain recul vis-à-vis -vis de Dieu. Oh, j'étais toujours croyant, mais j'avais perdu le feu. Mais quand je, me retrouvais dans, quand je me suis retrouvé dans cette situation, on pense à lui. Et le plus dur pour moi, c'était le, le soir, quand je rentrais dans ma chambre, quand j'avais fini avec les enfants et quand j'avais fini mon travail d'école que je rentrais dans ma chambre avec le lit qui n'était jamais fait, bien sûr. Souvent, je m'effondrais sur le lit. Je criais à Dieu. Je le suppliais de me garder Rita. Je le suppliais d'aller à son secours et de venir à mon secours. Mais bien entendu, je n'avais pas de, de réponse immédiate, bien sûr. Et c'est pour cela, d'ailleurs, en partie que notre premier livre s'intitule ⁇ Il était là ⁇ et je ne le savais pas. Je ne m'en rendais pas compte et ce n'est qu'avec le recul du temps que je vais comprendre qu'il était là, bien entendu, qu'il me tenait par la main et qu'il m'aidait à passer le guet. J'étais comme dans un tunnel et un tunnel qui n'en finit pas. Mais quand vous êtes dans un tunnel, un jour, quand même, vous apercevez un petit rond de lumière là-bas, très loin, et vous savez que le, tunnel va, que le tunnel, oui, va prendre fin. Ce petit rayon de lumière, encore lointain, c'est le Seigneur qui va venir vers nous. Et ça va se faire en plusieurs étapes. D'abord. Euh, oh, donc euh, c'était un 7 juillet, nous avons été invités, le 7 juillet 90. nous avons été invités par une amie de notre village à venir à un rassemblement chrétien qui avait lieu à Nouant-le-Fuselier, donc et il y avait là un prêtre très célèbre qui s'appelle le Père Tardif. C'était un prêtre canadien, il est décédé maintenant déjà, mais euh, il avait un formidable charisme de guérison. Et cet ami nous invite à aller le voir, à aller l'écouter. Il y avait énormément de monde et bien entendu beaucoup de malades, beaucoup de fauteuils roulants. Et il se passait des choses époustouflantes. Mais moi, ce qui m'a touché, c'est ce qui s'est passé à côté de moi. Notre amie, celle qui nous avait invité, Huguette, était là, devant moi, à ma gauche. Et à un moment, le père Tardif a dit Il y a dans l'Assemblée une dame qui est malade des jambes. C'était une dame qui était handicapée. Elle se déplaçait en s'appuyant sur deux cannes anglaises à tout petits pas. Il y a là, dit il, une dame qui est malade des jambes, le Seigneur est en train de la toucher, le Seigneur est en train de la guérir. Et j'ai vu Huguette commencer à bouger sur ses cannes et à dire Mais, mais c'est moi Mais c'est moi J'étais juste derrière elle. Euh, vous savez, j'avais entendu des récits de guérison dans des cassettes, mais là, voir une guérison en direct sur une personne que vous connaissez, ça ne fait pas pareil. J'étais dans une émotion très forte. J'avais des larmes, et elle aussi. Elle remerciait Dieu. Elle disait Alléluia, etc. Et puis très vite, il y a un attroupement qui s'est fait autour d'elle. Et le Père Tardif a dit Cette personne peut venir sur le podium pour témoigner de ce que le Seigneur vient de faire pour elle. Et je l'ai vu prendre ses deux cannes anglaises, les mettre sur son épaule et fendre la foule à grande enjambée, alors qu'avant c'était comme ça. Et faire des génuflexions sur le podium pour montrer à tous ce que le Seigneur venait d'accomplir pour elle. Alors je peux vous dire que ça, ça m'a fichu un, un sacré coup. Mais un bon coup, et dans le bon sens. Parce que si vous voulez, au cours de cette réunion, il y a un verset biblique qui s'est imposé à moi. Un peu comme dans un flash, je ne sais pas comment vous dire, que Jésus, il est toujours vivant. Et qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et que ce qu'il accomplissait il y a 2000 ans sur les routes de Galilée et de Judée, il l'accomplit toujours au milieu de nous. Et ça, si vous voulez, ça m'a pénétré. Ça m'a pénétré. En même temps que j'ai pris conscience bah, que ma vie n'était plus à la gloire de Dieu. Et là, j'ai commencé à lui demander pardon. Car j'avais envie de le retrouver. J'avais envie de retrouver la ferveur de mon premier amour avec Jésus lorsque j'étais enfant et que je voulais être son prêtre. J'avais envie de retrouver cela. Alors, nous sommes rentrés chez nous. Barita n'était pas guérie, mais moi, je n'étais déjà plus le même. J'étais habité d'une grande joie et puis vraiment, je vous le répète, j'avais envie de retrouver le Seigneur. Et dès que nous sommes rentrés chez nous, j'ai fait j'ai commencé à faire le ménage dans notre maison, pas avec un balai, ça je le faisais depuis longtemps, mais le ménage, disons, spirituel. Parce que depuis de très longues années, je m'intéressais beaucoup aux sciences occultes, aux sciences ésotériques, et j'ai été élève pendant deux ans d'une secte philosophique qui s'appelle les Roses-Croix. J'avais donc chez moi toute une littérature, plein de documents, de livres, etc que j'ai rassemblé et que j'ai détruit parce que je, je savais que c'était un préalable pour que je le retrouve vraiment. Et puis, peu de temps après, avec Rita, nous avons pu participer dans le sud de la France à un grand rassemblement encore, au cours duquel j'ai bénéficié d'une énorme grâce de pardon. En deux mots, parce que demain je vais peut-être en, en parler beaucoup plus. Euh, L'une de mes filles m'avait terriblement blessé, nous avait terriblement blessé, et je disais, je ne lui pardonnerai jamais. Là-bas, j'ai pu ren rencontrer un homme de Dieu qui a prié pour moi, et à ce moment-là où il a prié pour moi, je l'ai entendu dire Jean-Claude, le Seigneur met dans ton cœur le désir de pardonner à ta fille. Et à tous ceux qui ont été mêlés à cette histoire. Et sa dernière phrase, non seulement tu vas leur pardonner, Jean-Claude, mais c'est toi qui vas demander pardon. On m'aurait dit ça quelques minutes plus tôt. J'aurais dit, non, mais hey, c'est moi l'offensé. Vous vous trompez là. Mais à ce moment, j'ai été inondé d'une paix et d'une joie que je ne peux pas vous décrire. En même temps que j'ai eu. Envie vraiment de me réconcilier. Alors, nous leur avons de, de là-bas écrit une lettre où Rita et, et moi, nous leur avons demandé, donc à, à, à ma fille Sarah et à, et à son copain, nous leur avons demandé pardon pour les blessures réciproques que nous nous étions faits. Ils ont reçu notre lettre. Nous, nous sommes rentrés à Tours le dimanche. Le lundi, ils arrivaient et nous sommes tombés dans les bras les uns des autres avec des larmes en nous demandant pardon. Et pour moi, si vous voulez, c'est un énorme fardeau qui est tombé à terre. C'est quelque chose qui m'étouffait. C'est quelque chose qui me bloquait. Et bien entendu, avec un non-pardon dans le cœur, le Seigneur ne peut pas agir. Et seul, je crois que ça, ça aurait duré encore longtemps, mais le Seigneur est venu à mon secours et j'ai été libéré et ce pardon que nous avons demandé et que nous avons accordé à Sarah va être le début des grandes bénédictions pour notre famille. Et ça va faire comme une boule de neige il va y avoir un tas de répercussions positives ça va entraîner la conversion de son copain etc etc. Et suite à ce que nous avions vécu, eh bien, un jour, nous avons été invités dans une réunion des hommes d'affaires du plein évangile. Et, et là, c'est là, en octobre 90, que, qu'au moment de l'appel, je me suis précipité pour donner, comme on dit, ma vie à Jésus. J'avais beaucoup hésité avant, bien sûr, mais là, vraiment, du fond du cœur, je lui ai demandé pardon pour toutes mes fautes passées. Et puis, cette réunion nous a, avec mon fils Olivier nous a tellement plu que nous avons continué de, de participer aux, aux suivantes. Et peu de temps après, les orateurs étaient... Un couple de Laval, René et Jeannine Lebray. Et je me suis avancé vers eux parce que vous savez, quand on a six enfants, on a eu six enfants en cinq ans, hein, comme je vous ai dit, ben ils sont tous adolescents en même temps. Et moi, je me débattais avec mes six ados et euh, croyez-moi, ce n'était pas de la tarte, hein, surtout les filles. Bon, bref. Bref. Alors ils ont prié pour moi, nous avons sympathisé et nous avons échangé nos adresses. Et nous arrivons au mois d'avril 91. Rita revient de l'hôpital une fois de plus, je dirais. Mais je dirais pas comme d'habitude. Pour la première fois, je vois que Rita est découragée. Parce qu'il faut vous dire que Agarche, Rita était habitée d'une force et d'une joie. Moi qui m'interpellais, qui parce que je me disais, mais si j'avais le dixième de ce qu'elle a, je serais effondré. Mais elle, elle ne baissait pas les bras. Mais là, je sens que quelque chose s'est brisé. En fait, les médecins étaient venus autour de son lit, maintenant je vais lui passer le micro, elle parlera mieux que moi. Euh, tu fais vite parce reste 8 minutes. Il reste beaucoup. Voilà. Il prend tout le temps pour me dire qu'il reste 8 minutes. Voilà, les médecins étaient venus autour de mon lit pour me dire on ne peut plus rien pour vous, si vous voulez continuer à vivre ce sera avec la sonde gastrique. Et moi j'ai dit je ne veux pas la sonde gastrique. Et le docteur qui m'a dit que si je refusais la sonde gastrique j'allais mourir. Je leur ai dit « Ne t'inquiète pas, toi tu meurs avant moi. » Et je lui ai dit, Ce n'est pas à vous de décider si je meurs ou si je vis, c'est Dieu qui décide. » Puis ben, ils m'ont renvoyé à la maison. Alors j'étais dans cet état, j'étais un peu vraiment découragée. Et le matin, Nadia qui faisait ma toilette, elle m'a vu pleurer. Parce que je me sentais partir, parce que sans son de gastrique, je ne pouvais plus ni avaler ni manger. Donc elle m'a dit, quand elle m'a vu pleurer, elle m'a dit « Maman, ne pleure pas. » Papa, t'as, dans des réunions qu'il allait, t'a acheté un livre, et c'était celui-là, qui était encore sous un plastique, et je lui ai dit, Ouvre -le et dis ouvre-le, et dis-moi ce que, ce que ça dit. Elle est tombée sur Jean 11, où on vient dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Il s'agit de Lazare. Et moi, j'ai dit à Jésus, est-ce que tu m'aimes? Tu vois que je suis malade. Et elle me, dit, il m'a pas répondu, oui, Rita, je t'aime. Mais Nadia me dit, écoute, maman, ce qu'il te dit, que cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et elle a continué à le lire jusqu'à ce que Jésus arrive devant le tombeau de Lazare. Il demande qu'on ouvre la grotte et Marthe lui dit, Maître, ça fait quatre jours qu'il est là et il sent déjà. Et, et Jésus la regarde et lui dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et cette parole, elle est entrée dans mon cœur comme une flèche et j'ai dit à Jésus, tu sais, je crois en toi, mais je veux voir ta gloire. Et puis, cette fameuse réunion est arrivée. Mon fils m'a emmené à Laval. Et la première, euh, première chose qui a commencé, comme tout à l'heure, ben, on a fait de la louange. Le premier chant, c'était, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand ce chant est sorti, mon cœur, je croyais qu'elle est sortir de ma poitrine. Et là, j'ai dit, Seigneur, tu vois dans l'état où je suis, tu connais mes pensées profondes, et je crois en toi et je veux voir ta gloire. Et puis, bah, la réunion s'est terminée. L'orateur a dit, le, le témoignage est fini. Si quelqu'un veut euh, la prière, qui s'avance Mon fils m'a avancé devant. Il m'a pas demandé mon avis. Je suis arrivé devant. ils m'ont posé deux questions. Ils m'ont dit, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir maintenant J'ai dit oui de tout mon cœur, mais de ce que je pouvais bien parler, parce que je ne parlais pas comme aujourd'hui. Et après, ils m'ont dit, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui Ça, j'ai dit oui, je ne savais pas où je mettais les pieds, mais j'ai dit oui quand même. Et puis ils ont prié. Et là, à un moment donné, quelqu'un a dit, maintenant, au nom de Jésus, reçois ta guérison, tu te lèves et tu marches, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé Moi, j'avais les bras collés comme ça, je ne pouvais plus les décoller. Je me suis retrouvé propulsé devant. Par une, comme je dirais, par une grande main ou une grande vague, je ne sais pas, et je me suis retrouvée debout en train de danser, et mes bras levés, et je tournais en rond et je dansais, je cherchais mon fils des yeux, et quelqu'un m'a dit, ne, si tu cherches ton fils, ne t'inquiète pas, il est allé par terre comme une crève, la seule chose que j'ai dit, moi je me suis levée, c'est lui qui est tombé, voilà. Et ça s'est terminé à midi. À midi, il a voulu prendre le fauteuil roulant. Je lui ai dit non, j'ai un compte à régler avec lui. Je l'ai pris, mon fauteuil, je l'ai plié, je l'ai mis dans le coffre et nous sommes partis. Et sur la route, j'ai commencé à avoir faim. Et là, j'ai dit à mon fils, j'ai faim. Il m'a dit, maman, ce n'est pas un problème aujourd'hui. C'est un jour de joie, c'est un jour de victoire. Je t'emmène au restaurant. Et on s'est arrêté dans le premier petit restaurant qu'on a trouvé. Et là, j'ai dit à la dame, vous savez ce qui vient de m'arriver Elle m'a dit non. Je lui dit, « Jésus m'a guéri. Elle me fait Ah bon Mais elle m'a pas coué <laughs> Surtout quand je lui ai dit que j'avais très faim, que ça faisait sept ans que je ne pouvais pratiquement plus manger, j'étais en sonde gastrique. Je lui ai dit Est-ce que vous avez des steaks dans votre frigo Elle m'a dit Je suis un restaurant. Alors je dis Puisque vous êtes un restaurant, mettez-moi le plus gros que vous pouvez trouver. Elle m'a servi un steak et ce steak, je l'ai mangé en entier avec des haricots verts. Et après le tout est passé, mon estomac était redevenu normal. Après le repas, j'ai demandé à mon fils de se renseigner où se trouvaient les toilettes. Et là, il m'a dit Maman, il faut descendre un long escalier. Et il s'est levé pour m'aider. J'ai dit Non, ça aussi, c'est fini, ou toi, tu m'accompagnes dans les toilettes. Et c'est dans ces toilettes que j'ai réalisé que j'étais guérie. Et là, j'ai dit Seigneur Jésus, je te rends grâce, je te bénis, je te loue pour le cadeau que tu m'as fait aujourd'hui. Ce cadeau, je veux le dire dans le monde entier, où tu veux, quand tu veux et comme tu veux. Et si nous sommes là ce soir, c'est parce que Jésus l'a voulu. Amen.